J'ai une autre petite question pour toi, Diane. Pour toutes les personnes qui sont célibataires, il y a de nombreux célibataires, hommes comme femmes, qui se disent, mais pourquoi moi, je chemine, je fais du développement personnel, je m'améliore et toujours pas. Les autres autour de moi rencontrent et moi pas. Ça vient de quoi pour toi au niveau de l'âme qu'une personne est encore célibataire? Jamais je prendrai la responsabilité de dire, d'avoir la réponse à cette question qui prend les plans les plus élevés comme si j'étais, comme si je savais le plan divin pour cette personne. Mais ta Tout ce que... perception par rapport au travail que tu as fait, le fait de recevoir des couples, le fait de recevoir, je suis sûre, des célibataires aussi, d'avoir écrit, de faire des stages, t'es quand même les deux pieds dedans, les mains, tous les orteils et la tête. Bien sûr, et j'ai autour de moi des amis formidables, hommes et femmes, qui ont fait un travail magnifique. Je dis, mais pourquoi ils sont Voilà. célibataires? Tout ce que je peux dire, c'est faire confiance au plan divin pour eux, que ben, s'ils n'ont pas rencontré, peut-être que c'est pas leur chemin le plus élevé d'évolution pour l'instant. Et je vois aussi des amis proches qui veulent rencontrer quelqu'un avec lequel je m'entende bien sexuellement, affectivement et au point de vue de l'âme et qui est le même alignement. Et en plus, s'ils pouvaient avoir réglé ça et ça et ça et qui peuvent pour certains, je dis pas pour tous, être dans une forme d'exigence où je vois que la personne à côté d'eux pourrait leur correspondre, mais leur attente est tellement haute que peut-être personne ne vient matcher ça. Donc, il peut y avoir, dans certains cas, que ce n'est pas leur chemin d'évolution le plus élevé, et n'oublions pas qu'on est quand même dans cette vie-ci, dans un choix profond. Parce que les gens dont on parle, qui ont fait un beau chemin, c'est-à-dire qu'ils ont mis pas seulement leur chemin de guérison, mais leur chemin de guérison et de spiritualité en centre de leur vie. Donc, c'est vraiment des gens qui disent, dans cette vie-ci, autour de cette boucle de l'humanité, mon évolution est la plus importante. Alors là, tout ce qu'ils peuvent dire, si ils ne se reconnaissent pas dans une forme d'exigence, c'est que le plan divin considère qu'ils cheminent peut-être plus fortement seuls qu'accompagnés. Mais on peut cheminer avec des amis aussi. On peut avoir des belles histoires autrement que de s'inscrire dans un chemin de couple. On sait que l'ancien paradigme nous a inculqué qu'on devait être à deux. Et évidemment que moi je suis en couple, donc je suis mal passée pour dire le contraire. Mais on va peut-être faire des couples plus courts. On va peut-être, il y a plein de choses qu'on a réinventées. On va peut-être faire, là j'entendais parler du pluriamour, ça, bon j'ai des doutes par rapport à ça, je pense qu'il y a là peut-être un manque d'engagement, bon, je ne suis pas forcément convaincue par en tous les cas les discours que j'ai entendus là-dessus, mais pourquoi pas des trios? Je veux dire, tout est à réinventer. Maintenant on commence à voir, je fais partie de ce cas de figure, des couples où c'est la femme qui est plus âgée, il y en a de plus en plus. Donc on réinvente le couple. Mais est-ce qu'à la base, quand même, le fait des célibataires, il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas une. Parce que ce soit en couple ou pas en couple, de toute façon, le travail, il est bien de trouver cette complétude, d'être bien de toute façon soi-même, quelles que soient les circonstances. Donc, n'est-ce pas ça le travail en commun aussi de quelqu'un qui est célibataire, de se trouver bien, d'arriver à être cette personne-là complète avant même de rencontrer l'autre. Peut-être que c'est leur chemin au lieu de le faire en couple, avant de rencontrer cet autre niveau de peut-être de rencontre. Oui, mais tu dis bien avant de rencontrer. Oui. Et donc, c'est qu'il y a comme une idée que quand ils auraient bien tout fait, ils rencontreraient. Ouais. Donc, on est bien dans cette vision que idéalement, ils devraient rencontrer. Ouais, tout à fait. Qu'en savons-nous? Honnêtement, je ne sais pas. Oui, Je mais sais si ça fait mal à ces personnes-là qui sont célibataires. Elles sont que... Eh bien, tristes d'être seules. ça veut dire qu'elles ont un grand fantasme sur le couple. D'accord. Si, ça veut dire qu'il y a bien une complétude en elles qui n'est pas suffisamment installée puisque ça leur fait mal d'être seules. Donc, d'une certaine façon, j'aurais envie de dire, la vie a peut-être raison de dire, mais tant que ça te fait mal, peut-être que ton chemin est de cheminer à travers cette solitude.
Mais en même temps, je ne vais pas me permettre de dire des choses quand c'est vraiment douloureux. J'ai une amie très chère, mais si j'avais une baguette magique, je lui ferais rencontrer son âme sœur, entre guillemets. Moi, je Mais sais que... t'en as une baguette magique, Diane, c'est flagrant. qui se rencontrent, bien sûr. Je célèbre des vrais mariages maintenant. J'ai quand même un certain nombre de jolis couples qui cheminent depuis un beau bout de temps, qui sont rencontrés autour de moi, en tous les cas. Mais c'est vrai que j'ai des amis, j'aimerais qu'ils rencontrent parce que je vois bien qu'elles souffrent. Mais en même temps, le fait que ça soit si douloureux dit bien qu'il y a quelque chose qui est encore À guérir. en travail et à guérir. Et moi, je sais que mon chemin d'évolution, c'est dans... Alors moi, mon chemin, c'est le contraire. Ça va être de défusionner, dans le sens que on partage tout. On vit dans un petit appartement, même si on a une très belle et grande terrasse. On travaille ensemble et on a besoin d'apprendre l'autonomie l'un et l'autre. C'est le travail de défusion, par contre, qu'on a à faire, qu'on nous avait dit dès le départ. Et comment trouver? Donc là, on cherche, mais pour l'instant, on ne trouve pas. Ouais, d'ailleurs, appel à tous les co-créateurs, hein, Diane. Si tu... Parce que tu es à Paris en ce moment et vous vivez dans cet appartement-là, tu te retrouves chez ton père à la campagne, c'est génial, il y a plein d'espace, mais tu as un rêve. Donc, parle-nous un petit peu de ton rêve parce que tu aides toujours les autres, tu es toujours là pour les autres et on ne sait jamais les connexions qui peuvent se faire grâce à cet internet, aux vidéos qui circulent, de manifester. Qu'est-ce que tu aimerais en fait mettre en place sur Paris, dans la région parisienne? Alors, j'aimerais mettre en place un lieu avec une salle d'activité où il y ait suffisamment de place dans l'habitation. On pourrait justement défusionner, avoir chacun notre espace, retrouver une forme d'autonomie et avoir, je ne sais pas, moi j'imagine la maison ouvrière avec son entrepôt ou un grand garage en dessous, où il y a évidemment une cour ou un jardin, desservi par un métro, bien sûr, pour qu'il y ait, parce que j'ai beaucoup de groupes de méditation qui viennent à la maison plusieurs fois par semaine, et je veux que ce soit qu'on puisse Facile venir à d'accès, ouais. la maison, parce que les gens adorent venir à la maison. Et Ah donc, oui. je tiens à ce que ça continue à être à la fois chaleureux, simple, qu'on puisse faire la fête, et en même temps profond, spirituel, et que je puisse avoir, qu'on puisse avoir nos activités. Et donc, dans cette idée de diffusion, donc si quelqu'un a quelque chose comme ça, eh bien... Moi, je fais ma petite baguette magique. Desservi par un métro. Voilà, c'est ça alors. Mes créateurs, je vous laisse Ah oui, n'hésitez pas à contacter Diane. l'annonce. Et puis c'est un beau petit nid d'amour ce que vous avez là. C'est vrai que des fois, ça demande aussi un certain deuil par rapport à l'endroit qu'on a déjà, peut-être Oui, aussi. mais je pense qu'on l'a fait ce deuil parce qu'on sent que notre maturité de l'un et de l'autre et notre maturité de couple, de compagnonnage, passe vraiment par retrouver un espace. On est comme autant il y en a qui voudraient retrouver un espace commun, autant nous on sent qu'on a besoin d'ouvrir cet espace, de réouvrir cet espace. Donc voilà. Donc Magnifique. la prochaine fois ça va être Je... je vais faire un travail sur la diffusion.